les m'a parlé musique semaine ça bon petit cœur content les m'a regardé de bagaille qui a passé dans secteur à tout moi trouvé que j'ai raison pour mon petit cœur content il y a pile bagaille qui désagréable qu'a fait dans secteur et notamment sur les soldats zin tripotage bah ils sont désagréables pas dit rien mais parallèlement gain une prise de conscience qu'a prend et dans business et go envie qu'a développé la caille plus fort d'azur envie quand même de faire de bonnes propositions. C'est vrai que le dernier festival nous sommes là, à quelques rares exceptions, nous sommes capables de mettre un petit chapeau pour Kai. Pas de monde qui t'offre une grande chose, ou pour te consentir des machins. Mais quand tu vas au fond des choses, tu vas prendre compte que la Kai a pile jazz, vous sentez que bon démarche pour yo faire de meilleures propositions. Que ce soit au niveau de planification, que ce soit au niveau de logistique, nous sommes capables de prendre un échantillon, nous sommes capables de prendre jazz qui les classes. Et de l'obgade des démarches classiques ou est que classe vraiment envie sortir au point A pour arriver au point B. Vous sentez que mon démarche m'a envie dit vers l'excellence. Il y a une quête de bien faire à certains niveaux. À d'autres niveaux tout, c'est comme si nous sommes continuellement rattrapés par nos travers. C'est comme si même les nappes font barre qui bien et puis nous songeons sont haïtiens nous y a une bagarre fin bien net. À ils jouent à tout là démarche. Classieux. Mais ouais, son jazz qui a des projets, qui a des plans, qui a des disques, qui a entré dans une méthodologie à la rigueur qui est moderne et puis qui est capable de faire que le place est tête dans certains standards. Et là, nous arrivons dans vibe. Vibe encore, c'est quelque chose de positif. Parce que laissez-vous dire quelque chose. Parce que nous minimisons toute bagaille en tant que haïtiens. Pendant que nous parlons compte que nous avons un marché qui est pauvre en pile. Nous avons un marché qui est pauvre en pile, et ceci dans tout domaine. Son petit pays, nous avons un marché qui est pauvre, nous n'avons pas de gros marché. Et puis, pendant nous pauvres, nous n'avons pas conscience de l'État, nous. Et puis, nous avons un arrogant. Nous avons un arrogant et puis nous exigeants. Sans nous pas tenir compte de ces deux paramètres. Nous n'avons pas de bâtiments et puis nous pas réfléchir à eux. Je veux dire, après des Frances Duval qui a parlé de. Livre en folie, et puis Michel Zoumbagay dit get, ça va me réfléchir. Michel dit que les auteurs en Haïti vendent 700 livres sont gros chiffriers. Leurs auteurs vendent 1000 livres sont best-sellers. Comme vous avez dit, ça veut dire que les machines sont pauvres net. Et c'est même dans le marché à la son des gouvernes époque Sidi, sont des gouvernes 2000 Sidi en Haïti, et gros chiffriers. Et gros chiffre. Nous sommes en musique en folie, bah, 25 000 CD, c'était gros bagaille. C'est-à-dire que 5 000 CD, l'on marche pour la République Dominicaine, tout près nous là, c'est bah, qui est coulé long journée. Et c'est de gros chiffres. Nous. Ça lié, souvelé à réalité nous, en tant que peuple, faiblesse l'État nous, et puis ça lié tout à un bagaille, une phrase magique, qui est le pouvoir d'achat. Pas une phrase. Compilation de mots. Pouvoir d'achat. Nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde a dit, faut-il bien que nous fassions analyse nous. Et c'est pour faire nous respecter une série de bagailles. Les Haïtiens font nous, respect. Et je m'explique. C'est donc qu'on a un peu le monde qui a dit là que ça fait m'enrager pour ça, ça fait me battre pour côté qui a 2000 personnes, qui a 3000 personnes. Nous n'avons pas marché pour ça. À arriver où les nouvelles, le festival, donc le festival Rodney, une fois là, deux fois là. Mais que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau d'Haïti, si tu prends la majorité des Haïtiens, majoritairement, nous sommes des gens qui ont battu pour faire beurre. À arriver dans l'environnement sécuritaire, mais dans l'ensemble, la majorité haïtienne est là, Miami, New York, Boston, tout partout, c'est mis à la passe, c'est la gourmet. Et je pense que nous payons balle. 100 dollars, c'est gros effort de faire. Nous payons balle 50 dollars, c'est gros effort de faire. Mais dans l'autre marché, mon qui a un pouvoir d'achat, il n'y a pas un luxe en même dimension que nous sommes luxe pour. Ça, ils n'ont pas un marché là pour déjà faire concert pour 2000 personnes, pour 3000 personnes sur base régulière. Bah, il y a un marché pour ça. Il faut que nous soyons pas automatiques. Il faut que nous comprenions le budget. Nous, ça, oui. Il y a un budget ici.
Jazz a vendu 8 000 $. Dit qu'on get. Jazz a cher papa, 8 000 $. M'a demandé si c'est pas caché qui pi bas dans Caraïbes là. Groupe musical vieux pour 8 000 $. Le groupe qui est au devant de la scène. Ça fait là qu'on barre là de 20 000 $, c'est gros causé. C'est gros causé. Ça fait là que 20 000 $ là. Tout le monde voit ça fait chenette, ça fait chenette. Mais Joey doit être filé pour quoi, c'est 30 000 $ lié. Joey doit être filé pour quoi, c'est 30 000 $ lié. Faut nous qu'on chiffre, qu'on fait débat. Ça fait pas être comme un jazz, ça fait pas être un grand monde. Ça fait la gibare là à 20 000 $ par gig. Bon, tout le monde a un chiffre là, parce que j'ai un bon bali. C'est gros cause, mais au fond. Il n'est pas aussi extraordinaire que ça. Soit par contre de réalité caraïbe là. Soit par contre de cachet, bah qu'on est cassave. Ou de cachet malavoie, ou de cachet zouk machine de douille. Mais là, pour monter font grand artiste entier entre une chatte ici. Ça demande de qui artiste. Moi, je suis évolué dans notre marché. Je suis fait de grandes scènes. Je suis exemple, bon petit bonhomme qui a fait ça. Joey doit filer, les mêmes poucoles. Avec un pianiste, si je ne me trompe pas. Monsieur, c'est 30 000 $. Donc, il faut nous tenir compte de la réalité. Ça. Et c'est là ça qu'on parle comprendre que l'on jazz fait l'Olympia de Paris. L'on jazz fait Zénith. C'est pour un bagage comme si on apprend à la légère. Ou pas qu'à minimiser, ou bien l'on jazz fait Bessie. C'est bon, je nous banalise comme si nous avons fait l'Olympia et puis nous pas comprendre les alliés. Nous banaliser, nous avons fait Zénith et puis nous pas comprendre les alliés. C'est vrai que nous avons une démocratisation du Zénith. En attendant, bien. La période tabou comme vous avez joué au Zénith, les tabou comme vous faites grand première ligne dans Zénith, si je ne me trompe pas, en 1998, à l'occasion des 30 ans de tabou. Zénith te gonti côté très particulier, n'importe moun pas rentrer dans Zénith. Même de n'importe moun, non jusqu'à présent n'importe moun pas rentrer, mais elle était plus strict. Ou te plus examen pour passer pour te rentrer dans Zénith. J'aime de l'aller venir tient plus démocrate. Parce que tellement vinn gon flou d'immigrants qui vinn de plus en plus nombreux en France. Et pour parler de communauté qui a renforcé yo, tant que communauté africaine yo, ou vinn gère plus l'activité sauvée qui a passé Zénith. Et de africains, de tout bas, qui viennent faire comme si Mdadou, que Zénith vient nous assoupli l'exigence. Donc, on a dit que marché haïtien a bénéficié de ça. Parce que je pense que la période tabou comme vous avez fait Zénith, là, c'est seul jazz haïtien qui a fait. Mais qu'on y a là, comme si Mdadou, c'est bon exploit pour nous faire Zénith encore. C'est peut-être un exploit pour faire pourquoi. Mais faire Zénith encore, qu'on y a là, pas tout le monde fait Zénith. Créole là fait Zénith. Mascompa fait Zénith, New Look fait Zénith, tout le monde fait Zénith. Tout le monde jazz qui l'a au devant de la scène, le chanteur qui l'a, tout le monde passe Zénith. La période tabou combo, il n'est pas facile pour passer Zénith. Tabou te pour quoi là? Côté qui était comme Zemdadou, côté qui était jusqu'à présent, au côté n'importe quel monde pour rentrer jusqu'à présent, qui a des matchs pour faire, des pile bagaille pour faire porter la donne jusqu'à présent. Là, c'est ça, Olympia, on dit genre, était plus compliqué toujours. Donc, là, nous, on dit, c'est un coup vibe qui saute fait Zénith. C'est bon bagaille pour nous minimiser, les ont tenu compte de ce que ça coûte pour faire une production aux Zénith. Et c'est dans ce sens, là, on dit que moi, je suis moins content, là, je regarde l'image Vabio, pour ne pas dire que je suis une certaine fierté. Vabio représente nous dignement, j'en ai dit, là, donc je suis une certaine fierté. Parce que je connais. Qui ça a coûté pour prendre un jazz haïtien pour faire Zénith au départ, il faut faire un pile confiance. Il faut faire un pile confiance parce que, quelles que soient les conditions, le capital n'est pas investi pour faire là. Ce n'est pas capital petit, ce n'est pas un bon marché qu'il y a. Ce n'est pas tant que le marché haïtien. Un marché haïtien qui vient paraître très cher pour nous, pour les cap font balle en Haïti. Alors le marché haïtien là, tant qu'on est capable de faire aux États-Unis, il n'y a pas même bagarre avec on est capable en France. Mais il va y avoir une tête. On est capable de faire en France, investissement en Europe là, investissement là, puis fort. On est capable de faire Amazura. Le système là, c'est que quelqu'un doit arranger mon café avec Amazura. Amazura, bon local là, on va payer. Et pour garantir le chiffre de vente au niveau de boissons,
quand on prend le jazz là, on prend Miami, ou bien on prend le jazz à Haïti, ou on fait l'entrée New York, on prend. On fait 4 jazz, ou quand on a un budget $40,000. $40,000-$50,000, si on fait 4 jazz. Cachet jazz, ou chambre d'hôtel, naturellement, ça dépend de qui jazz. Il y a deux jazz à coûte plus comme. Elles ont quoi? À coûte plus comme. Mais gros comme la gros dépense là, c'est. C'est là que jazz a payé peut-être frais ticket d'avion, frais ceci, frais l'autre. Bon. Mais l'argent que vous dépensez pour faire une grande activité dans New York, là pour les Haïtiens, là peut-être un espace qui a pris plus de monde, qui c'est par exemple Amazura, un espace qui n'a pas de doute. Il n'y a pas moitié comme un nègre qui a fait un seul jazz au Zénith de Paris. Pour me retourner à Zamdabdino là, maintenant tête-nous bien que vibe nous qui saute fait Zénith là. Son projet presque 200 000 euros, si ce n'est plus. Son projet 200 000 euros. L'information que je gagne, c'est que je connais au Vin, yo loué Zénith par exemple. Espace Zénith. Et vous ne suspendez pas de minimiser les bagailles. Les nègres de l'Olympia, les pleins sont beaucoup zéliers. Les nègres de l'Zénith, les fesseurs et Michael Guillaume sont faits là, c'est beaucoup zéliers. Mais là, on entre la réalité Zénith là, là on prend le chiffre Zénith, c'est parce qu'il loue pour plus que $60,000. 60 000 euros, c'est pour vous comprendre. Zénith là, seulement, sans son. 60 000 euros, 61 000, 62 000, c'est la zone alliée. Pour louer Zénith là, vous voulez nous bien comprendre ça. Là, on a parlé de grande production. L'espace Zénith là, vous avez besoin entre 60 et 62 000 pour Zénith seulement, sans son. Sans son. Sans son. Quand il y a besoin de son pour mettre Zénith, il faut bien son. Son pour mettre Zénith dans la ville Lumière, Paris, entre la location du Zénith et la sonorisation au Zénith, on a parlé de pratiquement 100 000 euros. Je vous donne une idée des coûts. Quand il y a l'offre paye presque $100,000 pour l'espace ça. Quand on est là, on va entrer dans la publicité. Et pas blogueur après les. L'hexagone pour faire publicité. Et les blogueurs, et les Jeanne 12, et les tels, et puis pour faire blog, pour faire publicité. Ou bien après les Pipo Saint-Louis là. Là, on a grand maximum $300 dans les Pipo Saint-Louis pour Pipo Saint-Louis faire promotion balle là. C'est ça, on paye. On est capable de me faire promotion pour une balle, on a les $300 le payer, pas moi. Oh oui. Et c'est tarif ça sur ma chère. Pour tout le monde. Quand on est qui peut être plus fort, on a peut-être mal plus. À la Igue, peut-être 400, 500. Donc, moi, ici, à son, on a fait une balle. Un blogueur, et on a fait une émission. Émission. Si on choisit pour nous tous, on a pas toujours pour nous tous. On a fait peut-être un peu pour Saint-Louis, on a pas Guy Wewe, on a pas de trois mondes. Généralement, on a pas trois ou quatre mondes. Et ce point, on a deux blogueurs qui ont la gueule. On a un budget peut-être de grand maximum $3,000 pour monsieur. Il va appeler ça. Un budget de $3,000, $4,000 pour monsieur. Et même là, j'exagère. Parce que pour le temps, $3,000, $4,000, il faut le prendre tout le monde. Il faut le prendre tout le monde. Elle dit que là, on va prendre le prendre, on va prendre le prendre Evan Jean, la prendre Giveaway. Et puis là, Dadou et Vénus. Mais c'est rare que nous prenons tout, nous tout. Parce qu'il y a des publicités, moi, que je ne prends pas. Comme ça, il y a des publicités, moi, je prends tout. Moi, je ne prends pas l'autre. Vous comprenez? Donc, grand budget pour publicité, on est capable de faire dans New York, là, la Miami, là, c'est la note. Bon, on a dépensé grand maximum $2,000 pour publicité, mal. Et par contre, ça y est. L'autre bois, là, on est capable de faire Zénith. On a fait Zénith, on a pris toute la rue Paris, on a pris des gros billboards, des gros affiches devant Stade de France, devant ces deux côtés, billboards là. On a pris publicité au train, là-bas, il y a un train, on a lancé celle-là l'autre bord. Elle dit c'est de gros budget, c'est de budget pour faire publicité pour événements, là, niveau ça, là. Grand maximum, on a besoin au moins 20 000 euros. 10 000, 15 000, 20 000 euros. Parce que c'est ce gros billboard où il y a, c'est là où il y a, où on a fait avec la mairie, où on a fait à toute qualité de bagaille. Pas moi de mon job mettre dans son bout et dans bouche train, ça c'est gros publicité qu'on fait, c'est gros là. Ok? Donc,
quand on va arriver au côté là, jazz là encore c'est des monde qui très bien organisé. Jazz là, ils ont fait l'entrée peut-être 4-5 jours à l'avance. Beaucoup parlent de cachet jazz là. Beaucoup parlent de tickets d'avion pour prendre généralement des délégations de 10 à 9 à 12 personnes pour le jazz en vibe avec des tickets qui généralement la 800 euros, 900 euros pour pipiti. Donc ça veut dire que pour payer un ticket pour prendre jazz New York, pour prendre jazz Miami, pour prendre jazz Haïti, c'est encore pire, on est capable de faire la Paris, on gagne peut-être jusqu'à 9 à 10 000 euros de ticket. Ok? Pendant que je parle avec nous là, si nous ne pouvons pas rendre compte de ça, nous déjà à 130 000 euros. Songez bien que je parle d'une activité avec un jazz. Ok? Quand il y a de l'autre bagaille, vous faites jazz entre 3-4 jours à l'avance. Hôtel à Paris, c'est pas mal qui est bon marché. Donc 4 jours hôtel, 5 jours hôtel, 3 jours, 4 jours hôtel, 5 jours hôtel, parce que jazz a venu n'importe 3-4 jours à l'avance pour faire répétition. Parce que l'on parle de Zénith, n'est qui organise Zénith, là, quand son événement qu'on a venu faire. Donc l'assurer qu'on gagne 3-4 jours répétition. Donc ça veut dire que, ou qu'on ticket, peut-être, ou pas pour partir le lendemain, donc on dit soit Zénith là, samedi par exemple. Il y a plus de chance pour vous faire entrer à Paris depuis mardi et puis éventuellement pour ta repartir dans lundi. Donc 6 jours d'hôtel pour une délégation de 10 personnes, donc ça te fait à peu près au moins 9-10 000 euros encore. Donc la blague concerne nous déjà avoisiner les 150 000 euros dépenses déjà. Quand on parle dans de petits détails, perdu, il aime manger, ceci, cela, patati, patata. Pour les gens manger bien pendant 10 jours, ma petit déjeuner, tout le bagage. Parce que là, c'est pas pour les, comme si nous avons fait activité. Et puis c'est frère nous haïtiens qui recevons nous. Les gens vont manger le matin, oublier de manger le soir, logistique n'est pas bon. Ou prendre manger avant qu'ils viennent jouer nous. Ou prendre nous bien camper devant l'hôtel, la bus, ça va venir chercher nous. C'est pas comme ça. Moi, je suis chercher une fête zénith là avec jazz. Je fais 2-3 voyages avec jazz. Moi, comment ça fait? C'est pas relation mécanique liée comme si nous avons chaque seconde compter, chaque minute compter. Ok? Donc, quand nous mettons tout là-dedans, nous mettons nourriture là-dedans, nous avons 170 000 dollars déjà, 170 000 euros déjà, dans la zone Zoye. Quand nous avons un rôle qui est très important, encore une fois, nous avons 3 jours de répétition, dans 3 jours de répétition, ça, c'est des répétitions de 4 heures de temps, de 5 heures de temps, il y a plus long espace pour répéter. Elles sont bonnes. Ou bien mesdames qui ont fait chorale, ou bien manger pour faire une répétition, ou bien location, des nourritures, etc. J'aime de l'IA. Donc pour faire vibe là, au Zénith de Paris, et son investissement au moins 200 000 euros et fraction. C'est pour nous comprendre que l'aéroport jazz, pour aller écouter ça, c'est un jazz qui voulait dire mon bagaille. Quand il ne veut pas dire bagaille pour nous, même ici. Mais elle voulait dire on bagaille. Et c'est même gens là tout que nous avons fait Zénith en septembre, la même condition. Ce sont 200 000 dollars, 200 000 euros, 300 000 euros, ils pas investi dans nous. Donc si nous avons créé Zénith là, ils ont 5 500, ils ont 6 000 personnes. J'en vais besoin de faire là. Mais ce qui est certain, le point que je veux faire, c'est que c'est un gros investissement. Et c'est là, nous parlons niveau pas nous là, nous même haïtiens. Les parlons niveau nous, les parlons niveau ça n'a pas fait, les parlons niveau je n'a pas fonctionné, les parlons niveau organisation, mais les pas comme ça. Parce que bonne bagaille là, donne un éclairage pour payer tout bagaille. C'est un mécanisme et c'est ça que les ou production. Donc, mettez respect sur chaque grain de jazz, nous qui parle fait, événement ça. Mettez respect sur. Elles sont bonnes. Et ceci, dans la majorité des déplacements. Il y a deux jazz qui déplacent qui ont deux côtés qui peut-être pas une réputation Zénith, ou bien pas une réputation l'Olympia. Mais les noms ont jazz déplacés. Tant que les Karim étaient déplacés dans la Nouvelle-Calédonie, les Tivas se déplacent dans la Nouvelle-Calédonie, c'est un gros investissement. Pour prendre jazz, pour faire sortir Haïti pour la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est après la Chine, ou bien après le Japon, basonger qui côté. C'est n'importe 48 têtes d'envol, misère, route longue, tout bas. Ça veut dire que c'est n'importe chaque grand musicien a coûté n'importe 1500 dollars ticket. On ne va pas jouer ça. Quand on est que nous avons fait classe à Bidjan là, c'est un gros investissement. Oui. C'est nous-mêmes qui minimisons tout ça, nous avons fait, nous avons pas de souffrir à l'Olympia.
c'est pas rien. Ou bien il y a des gens qui ont fait pas rien là. Elles ont pas. Et puis nous-mêmes, nous trouvons son gros bagage comme si nous avons dit, on a demandé 10 000 dollars. Nous ne pouvons pas au niveau ça, tout autant que nous ne sommes pas conscients au niveau de nos pays. Pour nous, gommer pour le niveau ça. Mais arriver à le niveau ça, lié intimement à progrès Haïti, à qui qualité haïtienne que nous gagnons à l'extérieur, à qui force communauté nous gagnons dans différents côtés que nous établissons. Est-ce que nous sommes une communauté économique puissante? Pour le présent moment, la communauté haïtienne, elle est puissante en nombre, et puis elle est puissante justement par la qualité de main-d'œuvre à bon marché que la pauvreté. Parce que c'est ça, ici, il peut partout à travers le monde, pour main-d'œuvre à bon marché. Elles sont bonnes. Qui a bourriqué un peu partout en Orlando, qui a fait Jardin, Martinique, Guadeloupe, qui a fait aller comme téléphone, bagonné. C'est nos mecs. Elle dit qu'il n'y a pas de job. Au Brésil, c'est la même chose. Au Chili, c'est la même chose. Nous sommes main-d'œuvre à bon marché. Donc, nous avons une communauté qui est puissante. Nous avons une communauté qui a une force économique. Ça veut dire que la diaspora à côté de nous, là, nous n'avons pas aucune grosse salle de spectacle que Haïtien. Nous n'avons pas un gros night club qui est pour Haïtien. Nous avons chargé Dominique qui a un gros night club pour vous. Nous chargé Jamaïque qui a un gros night club pour vous. Dès lors, nous jouer à Mazoura. C'est un tiers monde qui a Mazoura. Ce n'est pas un gros pays, non. Le monde qui est propriété à Mazoura. Est-ce que donc nous-mêmes, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas un espace comme Simdadou aux États-Unis, là, à côté que nous faisons des choses. Par exemple, ces mêmes gens comme Simdadou sont des besoins à faire des choses dans les G-Hall aux États-Unis. Vous comprenez? Ou bien besoin à faire un concert Broadway. Eh bien, c'est 75 000 dollars américains. 70 000 dollars américains. Donc là, il y a des affaires que je joue ce concert. Qui côté? Pour qui marche? Pour qui moun? Mais déjà fait un conseil qui était avec CIA. Par amour. Puis, gros côté, nous avons fait activité pour 2000 moun la New York là, qui est abordable. Pendant que l'on zone, ce n'est pas une zone qui est agréable. Bon, c'est là nous faisons affaire, nous. Mais bon, c'est pas possible, nous avons un avantage, nous avons un avantage qui est Amazon. Mais on ne peut pas dire que là, nous avons un niveau pour nous dire que nous avons une activité. C'est pas qu'on ne peut pas dire que là. C'est la société haïtienne, là. C'est la capacité, nous, c'est le pouvoir. Nous n'avons pas de moyens pour faire aucune activité. Bon, nous n'avons pas faire de gros concerts. Je vais être là, Stéphane, là, dans le Paladio. Classe, on fait le Paladio. On ne peut pas faire le Paladio tout le temps pour prendre le Paladio de côté. Les communautés latinoises, depuis le Paladio a été formé, c'est là où on a ouvert les yeux. Si tu pointé, mais je t'ai envahi par la job. Et musique latine, salsa, merengue, tout bagaille ça, pour imposer aux États-Unis à partir souvent de envahissement population latine fait sous espace ça qui est par la job. Il envahit. Et un bon chanteur dominicain, c'est là où on parle émerger, c'est là où on parle ouvrir corps, parce qu'il y a un gros spectacle. Il y a un marché qui est dynamique, peut-être là, marché dominicain. Elles sont bonnes. Il ne peut-être pas arriver dans un stade qui rivalise avec le marché chinois, mais elles sont un marché qui est dynamique. Il y a une force économique. Et c'est ça qu'il faut, il y a des franchises, il y a des franchises sérieuses, disséminées un peu partout aux États-Unis, qui c'est pour le tropical. Donc, même Chitana, il n'y a pas menti. Pas essayer de résoudre le problème, non. Et puis Chitana font bonne vie analyse, on prend. Mon cher, vous trouvez que nous avons fait des affaires, nous avons enragé pour que les affaires là, nous avons fait des affaires, nous avons 3000 personnes, 4000 personnes. Qui sale? L'homme du bagage, il faut qu'on propose, qui sale? Qui sale dans New York pour que nous avons fait là? Qui a 3-4 000 personnes? Qui sale? Qui a un nightclub qui a New York, qui a un haïtien possédé? Aïe, bobo, vous voulez pour ça? C'est bien plaisir. C'est bien plaisir. Bah, quoi, il y a qui pour haïtien? A vous avez un petit bras que vous avez. Il y a 300 personnes qui possèdent. Qui club haïtien possède dans Miami? Et Calico qui vient de Hollywood là, il y a 400-500 personnes dans le possible.
Donc nous avons moyen pour faire de gros événements. L'NB fait gros bal, son hôtel n'a pas bien cher. N'a pas vraiment un yacht, n'a pas vraiment un Sheraton. Une fois là, je vais être là, c'était fait le bon anniversaire là. Et même Haïti, la caille, nous avons là, l'NB fait un gros événement, c'est Caribé n'a pas. C'est le Renjo là. Donc il faut nous résoudre tout problème ça. Il faut nous résoudre tout problème, nous voulons faire gros bagay. Et limite ça que nous gagnons. Je suppose que nous gagnons plus respect, les nous conseils de jazz. Nous avons une série d'artistes qui frappent pour ça. Donc, on a un respect pour Michael Givens. On a un respect à l'avance pour New Look qui va faire Zénith en septembre. On a un respect pour Classe qui va aller à Abidjan. On a un respect pour T-Vice pour tout ça le fait déjà. On a un respect pour les gens, suspendre, minimiser le travail.